Je m'appelle Lee Thomas, j'ai 26 ans, je suis gallois. J'ai joué au Cardiff Blues pendant 3 saisons. Après, j'ai joué au Sale pour 4 saisons. En tant que joueur, c'est tout d'abord un joueur professionnel par excellence. Il est très précis, beaucoup, il attend beaucoup, je pense, de sa venue ici en France pour progresser, continuer à progresser. C'est encore un jeune joueur. Malheureusement pour lui, il a eu un petit début de saison un peu, on va dire, retardé par quelques blessures qui ont vite guéri par, du fait de son investissement, notamment avec moi, sur la préparation physique. Et j'espère pour lui qu'il continuera sur sa lancée du match de samedi soir contre Tab, où il a montré toute sa capacité d'un grand joueur de rugby. Oh, he's a good player. He's a tough man. Puts in big tackles. He's got a big heart. Au début, c'est difficile parce que blessé. Maintenant, je suis content parce que je joue. J'étais bien. Un petit peu du mal au tout début, il y a la barrière de la langue, mais après lui a fait des efforts en français, moi j'ai fait des efforts en anglais, et puis de toute façon quand on a un peu les mêmes idées et qu'on s'entend bien, on arrive bien à se comprendre. Dehors du terrain, je pense que c'est un joueur un des joueurs étrangers qui s'est très bien intégré au club. On va dire qu'il a su s'ouvrir aux autres, il a su venir parler, il échange beaucoup, et puis c'est un mec qui a l'air super sympa, qui a l'air marrant, qui titille un petit peu, qui fait les efforts aussi en français de compréhension, donc c'est positif. Ça aussi, ce côté-là. J'aime être tranquille avec la famille et visiter, découvrir et nous donner. Friend, I don't have one word. That'd be difficult. I have to say, I don't know. He's very loyal. He's committed. He's a tipper as well. He always tips his drinks and reneges on nights out when he's meant to come out. Sometimes disappears. You give that guy I wanna see looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. Well, we used to play against him, and we hated each other then. We were always little niggles on the pitch, fighting each other. Moved to the same club and we got on really well, and so before we were enemies. J'ai su qu'il lui avait donné un surnom, qu'il l'appelait Kid. Alors au début il voulait pas trop me dire pourquoi, donc j'étais pourquoi Kid, je disais c'est peut-être le fils de l'entraîneur, voilà, et en fait non, c'est tout simplement parce que liquide, voilà. Ah, c'est difficile.